What's up mes pépites de chocolat? J'espère que vous allez bien après cette intro complètement pourrie et qui vous a sûrement fait un effet très très bizarre. Et je m'en excuse d'ailleurs, mais bon, j'ai voulu faire ça, excusez-moi, hein, j'ai pété un plomb, je suis carrément malade. Et voilà, mon cerveau il est complètement déraillé en fait. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre qui est en dessous de la vidéo forcément, eh bien, on va parler d'un short Sarwell zippé vachement long de Justin Bieber. Alors, je sais pas comment je vais faire ça, mais en tout cas, je vais vous faire une tenue complète de quand justement il était sur scène et qu'il a porté ce short exactement à l'identique. Et d'ailleurs, il le porte pratiquement tout le temps sur scène, sur le Purpose Tour. Donc voilà. Donc je vais vous présenter vraiment la tenue complète quand il était à Heart Radio, iHeart Radio, un truc comme ça, quand il a fait, quand il s'est produit sur scène tout simplement. Et bien voilà, j'ai reçu le colis qui est juste là. Alors je sais pas comment j'ai fait, il s'est éclaté des deux côtés. Donc tout à l'heure je le prends comme ça et le truc s'est pété la gueule. Donc je sais pas comment que j'ai fait, mais en tout cas le truc s'est pété la gueule. Donc je l'ai pas encore testé, ça va être la découverte. J'espère que... faut peut-être le ramasser. J'espère que ça vous plaira et que ça me plaira aussi, forcément. Donc je l'ai acheté sur AliExpress et je l'ai acheté, je crois... 15 euros, 15 dollars, je crois. Alors qu'il vaut extrêmement cher, hein, puisque forcément c'est Justin qui porte ça, donc quoique il s'habille pas forcément cher, il est d'un extrême à un autre, il peut s'habiller chez H&M et puis aussi sur des designers, enfin des trucs comme ça quoi, des créateurs. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite et puis j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, on se retrouve comme ça. Donc moi j'ai pris taille M, donc ça marchait comme ça, soit taille M, soit taille S, etc, etc. Donc, comme je vous l'ai dit et comme vous voyez encore une nouvelle fois sur le titre, c'est un short Sarwell, tout simplement. Ça va changer des Sarwell et ça remet les Sarwell en vente parce que c'est vrai que c'est un peu démodé entre guillemets. Et Justin le porte assez régulièrement, comme je vous l'ai dit aussi. Mais c'est assez bizarre de la manière qu'il le porte. Il le porte très souvent, c'est avec un jean Destroy. Enfin, même un jean simple, mais avec des zips aux ourlets, ou un jean vraiment simple, comme je viens de vous le dire. Putain, j'ai bugué. Et en fait, il le met dessus carrément, et ça donne plutôt pas mal. C'est pour ça que je vais essayer de vous faire la tenue avec une photo exemple, quand j'aurai la tenue complète, juste à côté, pour que vous puissiez comparer les deux. Bien évidemment, j'ai pas les mêmes vêtements identiques, j'ai pas sa veste, etc., etc. Donc ça donnera pas forcément la même chose, mais je pense que ça peut donner un bon style si j'arrive à assez bien reproduire sa tenue. Donc voilà comment on se retrouve. Donc très très élastique, ça c'est plutôt cool comparé à mon ancien. Enfin, c'est pas comparable parce que c'est un haut et puis ça c'est un bas. Parce qu'en fait, ça j'avais oublié de préciser qu'en fait il était assez rigide malgré qu'il soit très très agréable. Mais c'est à dire que le truc, tu pourras pas le tendre comme tu veux, comme ça quoi. C'est pas du tout élastique. Donc voilà, donc j'ai pris de couleur gris. Alors il y avait aussi beige ou noir, je crois. Je sais pas s'il y avait d'autres coloris à part ça, peut-être blanc, je sais plus du tout. Je m'en rappelle plus, donc désolé. Voilà, il a un peu effiloché en fait sur le bas, donc ça c'est assez compliqué. Faites attention quand vous le lavez, si vous en achetez, parce que justement si vous le lavez trop fort, ça risque de tout dézinguer et vous n'allez plus avoir de short du tout. Donc ça serait quand même bête d'avoir juste l'élastique à porter. Donc voilà. C'est un short Sarwell tout simple, hein, avec des deux poches aux extrémités, donc voilà, comme un Sarwell basique. C'est vrai que c'est vraiment un Sarwell, quoi. C'est juste que couper au niveau des jambes et puis voilà. Donc je vous teste ça et après je vous ferai la petite tenue. Donc voilà de la manière dont ça se porte, donc avec le jean par dessus, donc vous pouvez voir aussi là avec le petit élastique, les deux cordes qui permet de voilà de s'attacher, mais Justin ne les attache jamais, donc on les laisse comme ça. Ça peut être sympa quand on a un oversize. Hop, vous pouvez voir, plutôt cool. Donc maintenant je vais faire un tour, voilà, vous pouvez voir. Donc c'est vraiment Sarwell et tout, vraiment stylé, avec les deux poches, carrément cool. Qui porte, enfin je pense que
ça devrait vraiment porter assez chaud. Et je vais pas rester plus longtemps là-dessus et je vais vous faire directement la vraie tenue pour vous balancer une tenue de gueudin, de fifou, de trollolol. Enfin bref, ça va être lourd. La tenue, je vous la mets en exemple juste ici de Justin Bieber. Donc voilà, on a le petit perfecto. Bon, lui, il a une veste assez bombée. Ça fait une sorte de bomber assez large, assez ample qu'il a sur lui. Il a forcément le short et avec un jean qui est en dessous. J'ai fermé donc les zips pour que ça fasse vraiment coller au niveau du mollet. Et avec des petites Jero, moi j'ai mis. Bon, lui, c'était des Easy Boost qu'il avait noir. Donc vraiment stylé de ouf. Voilà pour la tenue. Hop. Vous pouvez voir, vraiment stylé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je kiffe vraiment bien le style de mettre un short Sarwell au-dessus d'un jean. Je trouve que ça rend vachement bien. Ça affine les jambes, les mollets et tout. Et ça donne l'impression que le jean, c'est vos mollets en fait. C'est assez bizarre. Mais ça donne vraiment très très bien. Donc j'espère que vous voyez bien sur la caméra. Donc voilà mes pépites de chocolat, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi c'était un plaisir comme d'habitude de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour une vidéo aussi clothing. Et lâchez un pouce bleu et puis plein de commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, peace les pépites de chocolat, mais pas sur moi.